Bonjour les amis, bonne courte vidéo aujourd'hui. Je suis en train de bricoler le je sais pas si c'est Rofan, hein. Je sais pas si c'est Rofan ça. Enfin bon, je suis en train de bricoler ici le renfort de tourelle qui tient les amortisseurs ici. Donc ce que je vous disais dans l'autre vidéo, ce qui plie dans tous les sens. Voilà, ça c'est la version Rofan. Voilà, ça c'est vraiment la version Rofan qui du coup est prise ici en bas et ici en haut, alors que la version et vous avez d'ailleurs l'amortisseur qui vient se mettre ici à l'extérieur, qui a deux positions, basse ou haute d'ailleurs, et alors que celui-ci, ben celui-ci, vous voyez, c'est l'amortisseur est pris direct dans le. Donc nous, ce qu'on va essayer de se faire, on va peut-être se monter cette plaque, mais c'est surtout que j'ai du dural. Donc voilà, j'ai du dural comme ça, j'ai des plaques de dural. Et je pense qu'on va essayer de se faire un petit quelque chose. J'ai de la plaque plus large, donc je m'aperçois que va falloir que j'aille en chercher une autre. Enfin voilà, donc vous pouvez voir l'état du truc, du kit chinois à 200 balles. Voilà, l'aluminium, c'est vraiment de la daube là-dessus. Voilà. Et ici, c'est pas de l'aluminium, c'est. Ah si, c'est de l'alu. C'est de l'alupin. Donc voilà. Mais il est déjà un peu plus rigide que cette daube. Voilà. Donc voilà les amis. Mais bon, après ça, vous pouvez vous faire une plaque. Voilà, vous allez chez un métallier, enfin une déchetterie à métal. Là, vous récupérez, même au pire, avec de la tôle, si vous mettez une tôle. D'ici ou à Leroy Merlin, vous achetez des tôles un peu épaisses là. Et vous mettez une tôle et après vous en remettez une devant. Ce sera toujours beaucoup mieux que cette daube. Allez, bonne journée à tous. Bon, voilà mon petit papa RC. Il y avait le petit fil noir là qui était dénudé. Bon, apparemment tout fonctionne. Donc voilà. Là, je suis en train de batailler sur ma position vario. On va essayer de se faire ça un peu plus proprement que ça. Mais ouais, c'est pas mal. Donc voilà, le petit Baja, puis tout propre. Ah voilà, du coup, ce que je vous disais, j'ai doublé la tourelle là. Voilà, il me reste à faire des cales. Voilà, c'était juste un test. Je vais faire des cales propres. Là, comme ça, j'ai la côte. Il faut que j'en refasse une ici aussi. Et écoutez, voilà, c'est petite fabrication maison. Donc, comme ça fait une double tourelle. Ça va être pas mal du tout. Donc, voilà, j'ai testé le vario en statique. Comme ça, on va essayer après avec le poids de la voiture dessus. Mais a priori, tout marche. Donc, j'ai fait le neutre. Bon, la rotation moteur était inversée. Du coup, j'ai inversé les deux câbles. Mais apparemment, là, il n'y a plus de soucis. Je peux mettre plein gaz. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, les amis. Allez, on continue. Ou pas. Adio. Bon, voilà, on est toujours sur le kit Rovan Baja de Mani. Donc, je me suis aperçu de quelque chose. C'est que déjà, quand j'avais monté, j'avais un petit jeu sur cet axe. Et c'est pas qu'il manquait un roulement, c'est que ces messieurs dames, ils ont mis une bague en plastique à la place du roulement ici. Donc faites attention, il y a un joint silicone. Moi je vous conseille direct, vous achetez, c'est les mêmes roulements que pour les roulements de roue, alors je sais pas la taille. Mais vous verrez, donc c'est chez Rovan, ils mettent le roulement, mais vous vérifiez, mais voilà.
Donc, ils vous mettent là un truc silicone et cette espèce de pâte en plastoc là, est dégueulasse. Voilà, mettez-vous le roulement, c'est côté droit, sortie axe. Il manquait le roulement. Voilà, sinon le reste, je suis en train de checker, tout va bien. Là, je vais tout nettoyer vu qu'elle est démontée, et remettre un peu de graisse propre. Et voilà. Vous voyez. Et je vais contrôler pour savoir ce que je peux. Je vais contrôler pour savoir ce que je peux mettre comme moteur différent là-dedans. Voilà, j'ai encore de la marge, donc je vais mesurer en fait. Je vais mesurer le maximum que je puisse rentrer là-dedans. Voilà les amis. Allez, on continue. Je vous ferai peut-être une autre vidéo. Tant que c'est démonté, voilà le kit chinois plastique. Rovan et qui est pas mal du tout au final. Voilà, il y a la plaque supérieure en plastique qui vient se mettre après. Voilà, changez-vous les vis parce que les têtes sont merdiques. Ou alors, il faut que vous ayez des tournevis de très bonne qualité. Et ces vis-là, enfin, toutes les vis ne sont pas fournies. Bon, moi j'ai mis ces vis-là que j'avais. Comme ça, au moins, je sais qu'elles sont costauds. Voilà, mais sinon, le kit s'adapte drôlement bien et il n'y a pas de souci avec ça. Voilà les amis. Je pense que pour le reste, je vous remontrerai peut-être après. Allez, on coupe, on continue. Voilà, ça c'est le petit jouet en silicone. Il me reste encore un peu à le nettoyer. Oh, faites attention parce qu'il y a des lèvres. Et quitte à le démonter, nettoyez-les bien. Voilà, il y a des petites lèvres. Ça a du mal à faire le point. Voilà, moi, il me reste un peu de crassouille au fond. Et lui, il vient là. Il vient là au fond. Et après, vous avez le roulement par-dessus. Voilà, moi, je vais mettre un peu de graisse. Et voilà, c'est ce petit joint silicone. Et après, ils vous mettent cette pâte, cette cale-là. Mais moi, je l'ai bouffée. Voilà, elle a été mangeaillée. Voilà, les amis. Allez, on continue. Alors, un autre petit truc. Les axes supérieurs de triangle et inférieur. Surtout graissez-les avant de les mettre parce que sinon ils oxydent, après c'est rouillé et après galère. Voilà, moi ce que je fais, je passe un coup de papier de verre très fin, généralement du 0, du 1000, pardon, du 1000, et très fin. Je les passe d'abord ça, comme ça je me les polis et après je mets de la graisse. Voilà, comme ça après vous êtes tranquille, mais pensez à bien les graisser, sinon ça va rouiller dans le plastoc. Et ah, ciao, c'est chinois, faut pas l'oublier. Allez, bon, voici cardan toujours du kit chinois. Il est là, démonté. Alors, les cardans sont fichus comme ça. En fait, vous avez l'axe avec la perforation. Vous avez la boule. On va essayer d'attendre qu'il fasse le point, ce cochon. Tu décides. Bon, enfin bon, bref, vous avez l'axe, la boule qui rentre ici avec le trou là. Ça, vous le rentrez d'abord. Ouais, une main, c'est pas facile. Vous rentrez ça d'abord là-dedans. Bon, enfin, tout ça pour vous dire, voilà, vous rentrez d'abord la boule et après vous avez la pine qui rentre dedans. Tout ça pour vous dire, dès le départ, les gars, démontez-le et collez tout ça à la super glue. De toute façon, le jour où vous voudrez les changer, vous mettez un coup de chalumeau dessus. Parce que là, en fait, vu que ça se bouge, et bien ça se barre, et tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous coller ça. Voilà, vous pouvez faire tous les côtés, c'est pareil. Voilà, dès le départ, collez-vous ça. Moi, je me suis aperçu parce que j'avais la pine qui glissait, j'en ai profité. Je pensais la changer, mais au final, non, non, c'est juste qu'il faut tout coller. Et le jour où vous devrez changer, en plus, un petit coup de chalumeau ou au gaz, hein, au gaz de la maison, vous faites bien chauffer, pétez la colle, et après, vous démontez tout ça tranquillou. Voilà, mais n'hésitez pas à le coller. Allez, on continue.